C'est qu'il ne faut pas oublier qu'au moment que les 10 sont entrés dans l'Union européenne, on a complété l'entrée de tous ces pays. L'Hongrie, la Pologne et la République tchèque étaient déjà dans l'OTAN et les autres. Il y avait le système de défense intégré avec l'OTAN. Absolument. Alors pour les Russes et surtout Poutine et avant Yeltsin, l'idée que les trois pays baltes qui faisaient entièrement partie de l'Union soviétique sont rentrés dans l'OTAN à ce moment-là était pour eux inacceptable. Ils étaient très 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 mécontents et a créé beaucoup de tensions. Donc, la négociation parallèle pour l'entrée de l'Union européenne et l'OTAN était cruciale pour Washington et l'Alliance. Vous avez vu d'Afrique ou du Sud